Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Earth of Iron 4. Donc on reprend notre petite partie avec le mode Black Ice et les United States d'Amérique. Qu'est-ce qu'on fait là? On va se préparer tranquillement, là on finit d'avoir pu prendre ça. Et on va préparer l'invasion, on va se faire les invasions. On va commencer à taper l'Angleterre. On va aller se faire donc une unité qu'on va envoyer au Féroé. Là, on fait une putain de grosse bataille. Voilà. Alors là, vous avez une putain de grosse bataille de la mort qui tue la vérité profonde. On a coulé du navire. On s'en est fait couler aussi. On coule du croiseur lourd. On coule du croiseur léger. On coule du porte-avions. On a rasé sa flotte. Épique des pop de la flotte. Quoi. On a les sous-marins qui débarquent en plus. Voilà. Là, on regarde ici. On a perdu. Ouais. On a perdu, mais ils ont perdu encore plus. Voilà, là je pense qu'on est tranquille pour un certain temps. Est-ce que mes flottes... Ma flotte atlantique... Ouais, il y en a qui vont aller se réparer. Les autres, ils sont très bons. Ensuite, mes divisions de marine... Lui, il arrive quand là-bas? Avec eux, ouais, par d'ici, on va aller se faire un petit débarquement au nord là. Non. Ah, et là. Le Reich a déclaré la guerre à la rue. Bravo. Les Marines, on les fait retrouver. Marines, Archtank Factory. Ouais, mais je crois que ça, encore une fois, c'est une... On va faire ça. Mais j'ai peut-être l'impression, je vous dirais honnêtement à mon avis du mode, c'est qu'il y a peut-être trop de... Il y a peut-être trop de technologie, quoi. C'est un peu le bordel à suivre. Et l'écran est pas adapté, quoi. L'écran est adapté, mais les technologies, il y en a trop. Voilà. Puis... Deux jours. Ouais, on va les défoncer. Pas où celle-là? Ah. Qu'est-ce qu'ils me disent au Guatemala, théoriquement? Oh, j'ai du fascisme. Ah. Brésil. 26%. Angleterre, combien de divisions? Elle n'y arrive pas à se terminer la Yougoslavie, comme là, en même temps, l'Italie... À part quand il y a les Girac en face, elle fait de la merde, l'Italie... Quatre convois qui ont été coulés, très bien. Mais sous-marin atlantique, ouais, du convoi raiding, non, on va leur faire du convoi escort. Donc, voilà, dans une zone.
On exécute le plan dès qu'il est prêt. Les troupes, on est bon. Autant factorise. Là-bas, même industrie. On va voir ce que ça va. Ouh, le dos. J'ai le dos qui a craqué, quoi. Ça a fait mal. Non, ça n'a pas fait mal, mais ça a craqué. Là, très calme. Très calme. Au calme. On répare juste notre débarquement. La Yougoslavie a capitulé. Ok. L'Angleterre est tout content. Les îles Féroé, c'est à qui ça? Danois, ouais. Débarque au nord, je les coupe en deux, je les rase. Débarque au nord, en fait, et après, je rapatrie mes troupes, quoi. Là, il y a un pauvre navire qui s'est fait intercepter. Oh, un pauvre croc. Le porte-avions qui a réussi à échapper dans un truc comme ça, le porte-avions, il échappe à 100 navires, quoi. Non, mais honnêtement. Pas dire, mais. Ok, bon. Leur comment il s'appelle? Leur porte-avions, c'est un putain de sniper dessus. Bon. Ah, faut être démocratique, fait chier. Ah, c'est nul. C'est con ça. Je suis pas une démocratie donc je peux pas faire ça et je pourrais pas faire ça. Oh putain. Porte-toi Calisland. Verti Chips. Verti Chips en fait c'est les bots de people, hein. Et... Assembly line machin truc 41 juillet 41 juillet. On va passer à l'autre truc. Non. Doctrine. Longue doctrine. Et. Artillerie. Ça booste un peu notre artillerie, elle est toute pourrie. Et le... Ça dit quoi là-bas? Dit que ça avance pas des masses. Hein. Les Philippines, si tu t'emmerdes, tu pourras me donner tes armées, quoi, ou aller faire de l'assaut, le te toucher. Hermann Reich, Macao. Ouais, je tiens plutôt bien, c'est que l'avantage avec défoncer le. Allez, rive Pécor. Jour. Ici, ouais. Les tanks, on va passer. Ah aussi, ce serait bien qu'on efface évoluer nos tanks parce qu'on se bat avec des.
des tanks, je sais même pas si on ose appeler ça des tanks. Véhicule avec des roues et un gros truc dessus. Et redécolle là-bas dans 4 jours. Après. Sachant que dès que c'est fait, on envoie toutes nos troupes. Ça va être un débarquement, mais un fucking British débarquement. Bonjour. Allez. 41e jour. Et on dit, on y va. Seven Marines. Les unités, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas affectées? Bon, il y a que lui qui n'est pas affecté. Lui, on va lui donner une ordre d'invasion. Tu vas partir de là, mon gars. Ah merde, c'est parce qu'il est en train de faire. Ah. Oui. Bonjour. On va leur mettre des baffes. Hein. Ouh, collez-moi mes convois, c'est pas grave, les gars. Attendez qu'on arrive ici. Rigoler. Donc là, le débarquement, il y a 6 millions, ça arrive. J'arrive quand on a dit déjà 8 jours. On va s'en approche. Il y a un combat. On va l'avoir sur saleté de port d'avion. Bonjour, allez. France, la petite case. Six divisions, 42 fronts, ça fait 240. Il faut leur faire mal. Allez, et là, le débarquement au sol commence. L'avantage c'est que ça va être un débarquement qui devrait être rapide pour un motif tout con et qu'en fait c'est oui, mais tout il va être rapide et tout con c'est quand je sais plus il va être rapide et tout con pourquoi on va baisser un peu la vitesse parce qu'en fait oui c'est du en Angleterre ouais voilà il y a de l'infrastructure quoi. On tient ça. La Finlande a déclaré la guerre à l'Union soviétique. Je crois qu'il y en a qui n'ont pas tout compris là. Ici, non, on attend de débarquer. Dès qu'on débarque, on ramène tout le monde. Pour. Allez. Comment ça se fait que j'ai aussi peu de bourse? Allez, t'es presque. Voilà, ils sont tous rapprochés. Ok. À partir de là, on met ça ligne de front là-bas. Ligne offensive. Comme ça. Ok. Ligne de front, oh, là-bas,
C'est Marine cela. Mais tous les marines à cet ordre-là, voilà. Lui, ligne offensive, on va lui donner la même. Et eux, ligne de front là, ouais. Et garnison. Hop, et puis le pays de Galles et là-bas. Ok. Pensant les déploiements, les motorisés vont sur le motorisé, les marines vont sur les marines et les divisions d'infanterie vont sur les divisions d'infanterie. Ok. Et on commence à défoncer. En mode on le roule dessus. Ah, c'est bon, les repousses. Les blindés. Les blindés, on enlève l'ordre pas du nord. Et vous allez, par contre, les blindés. Les Marines annuler cette les Marines. Vous allez juste là et les Marines. De français, vous êtes eux, je pense. Ah merde, ils font taillot, taillot, taillot. Ouais, c'est bon, ça arrive à l'armée américaine qui arrive en Angleterre. Happy girl. Les motorisés, on les met bien là-bas. Il va là-bas. Ah, et lui, voilà. Ok, vous avez entendu le superbe tingling de fin d'épisode. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc je vous dis ben, bye bye, à demain pour la suite. Allez, ciao les gens.